Je veux voir mes enfants. Moi-même, j'ai envie de mourir même. Mettez-moi les cœurs tapotés, s'il vous plaît. Bipez-moi les sœurs de Tioté. Quelqu'un dit quoi? Le son n'est pas bon. Si le son n'est pas bon ici, vous passez sur le TikTok. Il y a deux TikTok qui sont activés. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le voici. Voici Cheikh Tioté, l'international. Voici Cheikh Tioté, l'international. Voici Cheikh Tioté, l'international. Permettez-moi d'entrer ici et de sortir. Le voici, hein? Mettez les cœurs pour Cheikh Tioté. Mettez les cœurs pour Cheikh Tioté. Ce jeune homme a été l'un de nos meilleurs joueurs. Un guerrier plein. Un fils de la Côte d'Ivoire. J'entends des personnes qui disent « Oui, mais oui, qu'est-ce que vous regardez dans cette affaire? Vous vous mêlez de quoi? C'est une affaire de famille. » On est d'accord. C'est une affaire de famille. Mais Tioté là, ça c'est à titre d'information. Hein? Il a porté le orange, blanc, vert. Un joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a porté ce maillot-là, il n'appartient plus à sa famille. Il appartient à la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Mettez les cœurs. On n'est pas encore... J'ai dit, tant qu'on n'atteint pas les 1 million, tapotez, mettez les cœurs, partagez le direct. Depuis ce matin, j'ai vu plusieurs panels. Des gens qui parlent, qui racontent des histoires, qui parlent. Je vois des femmes maudites, des sorcières qui montent des poclés Nayo, des Gojangju, les toutous, les lélés, les sorcières, les waka, les vendeuses de piment. Chacun monde parle. Elle a raison. Elle a. Il sait. Ce soir-là, je me mets à genoux. Hein. Les femmes, je demande pardon. Voici mes deux mains. Vous allez m'amener en prison. Les associations de femmes sorcières qui ont raté leur vie. Si elles sont devenues, comment on appelle ça? Les femmes émancipées, là, vous allez m'amener en prison. Parce qu'il y a des questions qu'on doit poser à la femme de Tioté, parce que c'est elle qui a mené le dossier, c'est pas nous. Madame, il faut venir nous expliquer où est le fils de Tioté. Ça, c'est une première question. Hein. Parce que Tioté avait des enfants. Le fils de Tioté, là, il est où? Des informations disent qu'il est chez Kolo Touré. La dernière information qu'on vient de recevoir, c'est que l'enfant là, a été placé dans une famille. Ça veut dire que Tioté a travaillé, a gagné l'argent, s'est battu sur le terrain pour que son enfant soit placé dans une famille. Qu'on vient nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la vie de M. Tioté. C'est pour cela l'état de Côte d'Ivoire. Je commence à avoir des pleurs. Je pleure et mon âme pleure. Pourquoi l'état de Côte d'Ivoire laisse tout faire? Les enfants de la nation appartiennent à la nation. Certains enfants de Tioté sont mineurs. Le juge des enfants dit quoi? Ce sont les Ivoiriens. Le juge des enfants dit quoi? Parce que j'ai tout de dossier. Les choses qu'on m'a dit, les choses que les amis de Tioté m'ont appelé pour me donner comme information, sont des informations graves. Graves. Tout grave. Donc on ne va pas venir s'asseoir pour se jouer les hypocrites. Non, l'affaire est sérieuse. Où sont les enfants de Tioté? Le fils de Tioté, en Angleterre, il est chez qui? Il est chez sa maman, il est chez son papa, il est chez un homme, il est chez une tante, ou bien ils l'ont jeté dans une famille comme un enfant malpropre, qu'on ne peut pas s'en occuper, qu'on vient nous dire, le petit Ivoirien, il est ouf. Parce que son papa a une maison en Côte d'Ivoire, son papa a une famille. Si on ne peut pas s'occuper de l'enfant, on le remet à la famille. Tioté n'est pas tombé du ciel. Excusez-moi, Tioté n'est pas tombé du ciel, il a une famille. Donc si on ne peut pas s'occuper de son fils, on le remet à la diamètre, côté maternel ou côté paternel. Il y a des frères et sœurs qui existent. Mais on va aller passer à toi. Voici la vidéo qui nous a tous choqués. Cette vidéo a fait pleurer beaucoup de personnes. Et l'un des amis de Tioté, qui est un international ivoirien, qui s'appelle Cissé Sekou, ami de Tioté, réagit, appelle l'expulsion de sa famille. C'est cette réaction qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parce que quand tu marches avec un ami, qui est ton frère, quand il meurt, tu deviens le conseiller de sa femme. C'est toi qui lui dis, ah, voici ce que mon ami aime, voici ce que mon ami n'aime pas. Écoutez sa réaction. Il dit, tu as la chance que je ne suis pas là-bas. Sinon, tu allais savoir qu'on peut devenir psychopathe quand on veut. Ballon, on joue là. C'est pour mettre certaines personnes à l'abri du besoin. Tels que nos parents, nos frères, nos encadreurs, etc. On a tout essayé pour te raisonner. Mais tu fais la sourde. Mais qui est cette femme qui fait la sourde? Tout le monde lui parle, elle ne veut pas. Elle était même... Oh,
fait mal, hein. Mais je crois que aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à régler cette affaire. Parce que j'ai eu un avocat. J'ai parlé avec un avocat. Et je pense que tout à l'heure, nous allons jouer l'audio de l'avocat. Ah, et c'est ça. Bon, ça, c'est la parole de l'avocat. Donc, j'ai des papos. Je vous demande de partager, de mettre les cœurs. C'est tout ce que je vous demande. Mettez les cœurs, partagez le live. C'est tout. Vous n'avez rien à faire. C'est moi, je vais en prison. Donc, vous là, mettez les cœurs, partagez le live. C'est tout. Partagez, tapotez, partagez. C'est tout ce que vous faites. Vous mettez les cœurs, vous écrivez good life, good life, good life, good life, good life. Moi, il fait le bar. Oui. Et tu étais là. Tu étais mort pour que sa famille soit bien. Tu étais mort pour que ses enfants soient bien. Tu étais mort pour que sa femme soit bien. Tu étais mort pour que son entourage soit bien. De tous les joueurs de la Côte d'Ivoire, on a des inconscients de toi. Donc je vais taire les noms aujourd'hui. Et que Dieu les maudisse. Tous les joueurs qui n'ont pas construit une maison pour leur famille, soyez maudits. Vous êtes maudits à l'aller. Vous êtes maudits au retour. Et qu'une malédiction de maudia vous localise, vous tous là où vous pouvez. Vous qui prenez l'argent, qui écartez les cuits des filles et qui mettez l'argent dedans, qui lapez leur anus rempli de caca. Mais vous ne voulez pas construire vos familles. Vous tous que Dieu vous maudisse. Vous êtes des bâtards spirituels. Allons pas à pas. De quoi s'agit-il? Un jeune talentueux joueur, aimé de tous les Ivoiriens, qu'on appelle Cheikh Tioté. L'Ivoirien qui n'a pas pleuré quand Cheikh Tioté est parti chercher. Il n'y a pas un Ivoirien qui n'a pas eu mal. Parce que ce gars-là, il joue avec le cœur. Il y a Story, qui pour moi est l'un des meilleurs influenceurs ivoiriens, qui s'est rendu par la maison de Cheikh Tioté et on découvre ça. On découvre ça. Mettez les cœurs, écrivez un coup de live. Qui attaque mon live? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, le live est attaqué. Mettez beaucoup les cœurs, le live est attaqué. Le live est attaqué, mettez les cœurs, le live est attaqué. Mettez les cœurs, le live est attaqué. Cette histoire, il n'y a pas un Ivoirien qui n'est pas choqué. Parce que lorsque vous avez une vidéo qui fait plus de 50 000 likes, ça fait mal. Ça, c'est l'une des soeurs de Tioté qui est malade. Mettez les cœurs partagés. C'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. On est vagabonds, je ne sais pas. Écoutez, on nous dit un lycée est arrivé et les jeunes avec lesquels il est venu ont commencé à faire sortir les affaires. C'est pas moi qui dis, écoutez bien. Aujourd'hui matin, à 9h, 10h, on tape à la porte. Donc, il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte. Partagez le direct, mettez les cœurs. Et c'est comme ça que le monsieur rentre avec des gens, comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. Donc après, ils envoient. Vous savez, juste là, juste là, juste là, juste cette partie, quelqu'un doit aller en prison. Juste cette partie-là, il y a quelqu'un qui doit aller en prison. C'est la première fois de l'histoire de ce pays que j'apprends qu'un huissier de justice vient expulser des personnes en venant avec des gens. C'est-à-dire qu'il prend des jeunes, il venait commencer à faire sortir les affaires. Mais j'ai jamais vu ça. Mais on est dans quel pays? Et jusqu'à actuellement, cette affaire est sur les réseaux. Le procureur de la République n'a pas pris le dossier en main. Les familles ne sont pas interpellées. On n'est pas en train de regarder ce qui se passe. Le ministre de la Justice, je ne sais pas où il est. Et nous sommes en train de vivre quoi? Depuis quand un huissier de justice dans un pays de droit, de liberté comme la Côte d'Ivoire se permet de venir avec un papier? Il prend des jeunes, pas des policiers, et demande aux gens de sortir de la maison. C'est du jamais vu. Du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc on s'est dit, ce sont des illettrés notoires, on peut aller les intimider, et puis pendant le son de fuir. Donc continue, continue. Il est là-bas, il nous empêche même de
toucher. Parce que moi, je ne me sens pas bien déjà, je viens de prendre le médicament. Il nous empêche de toucher même les affaires. Il nous empêche même de toucher les affaires. Partagez. Vous qui êtes connectés là, je sens que le diable est en train de vous utiliser. Le diable est dans vos mains. Ton petit doigt possédé, tu t'es doigté ça jusqu'à. Faut tapoter, tapoter. Ça te coûte quoi? Tu es méchant comment? Tous ceux qui vont tapoter le live et qui vont partager, Seigneur, fais en sorte que jamais ils puissent avoir leur famille être humiliée de cette manière. Mais ceux qui ne vont pas tapoter, Seigneur, qu'on les humilie comme cinq jours. Amen. C'est fini. J'ai fini. J'ai fini de parler. Donc si tu es malin, faut tapoter. 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 Mettez les cœurs partagés. Donc continuons. On a vécu à 13 villes avec notre mère. Écoutez la partie. À la Sikoshi. On s'est retrouvé à Bobo-Doumé après le décès de notre mère. Cheikh est parti. Il nous a amené à Angré, à ses maisons, pour aussi. Tu sens qu'un père veut pleurer. Angré, on a demandé à aller à 13 villes, il nous a ramené à 13 villes. Après 13 villes, on a enfin demandé à partir. C'est là qu'on se retrouve à Angré. Partagé à 10 personnes. Et de là. C'est là qu'il a, ici, il avait des locataires, ça faisait partie de l'une de ses maisons. Et il a arrangé, si vous rentrez, vous allez voir derrière, normalement les coups datés, c'est que des villas. Mais oui. Derrière, il a fait une chambre salon pour notre tante et un studio pour nos cousins. Voilà. Et il a dit que c'est la maison de la famille. C'est comme ça que nous avons aménagé dans cette maison. Tu t'es dit que c'est la maison de la famille. Je vois des petits juristes à deux balles, aux testicules froissés et maudits, des soi-disant juristes. Qui monte dans des panels. Ben oui, selon la loi, la femme a totalement raison. Elle a le droit de les vider. Parce que si nous étions en Europe, nous sommes en Afrique. Les gars, mettez les cœurs, partagez le direct. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, il y a ce qu'on appelle des valeurs. Il y a ce qu'on appelle des codes de conduite. Il y a ce qu'on appelle la tradition. Montrez-moi. Dans une seule valeur africaine. Où une femme musulmane peut venir mettre ses parents musulmans au dehors dans la maison de leur fils. Montrez-moi. Moi, je vais savoir. Peut-être que je ne sais pas. Parce que on est des humains. On vit dans la société. C'est pas la loi qui se lève tous les matins et te dit lève-toi et mange. Non. C'est pas la loi qui te dit le soir baisse ta femme. Non. C'est humain. Montrez-moi une loi où il est écrit que lorsque tu es une femme musulmane, que tu as marié le fils d'une famille, tu as le droit de venir mettre cette famille. Tu as aussi ton sang, parce qu'il y a des liens de sang qui voulaient, ce sont les enfants. Tu les mets dehors. Bon, ok. Prenons maintenant le cas. Le fils de Tioté se lève le matin. Oh maman, j'ai envie de voir les frères et les soeurs de mon père. Il les retrouve où? Dans la rue. Mais attendez, à un moment donné, soit on est bête, soit on est maudit. Mais attendez, soit on est bête, soit on est maudit. Mais à un moment donné, il faut avoir quoi de le dire. Le fils de Tioté dit, je vais aller passer les vacances en famille du côté de mon père. Il arrive où? Dehors. Dame, bravo. Et quand je vois des femmes dotées d'un esprit de bordellerie qui viennent s'asseoir, je soutiens ça. Hey, oui, il a ses soeurs, non? Mais ses soeurs, elles peuvent aller se marier. Ses soeurs sont femmes, non? Vous savez, il y a une chose. Il y a une chose que vous devez comprendre, mes enfants. Dans toutes les familles, oh my God, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la mort n'est pas bon, la mort n'est pas bon, la mort n'est pas bon. Dans toutes les familles, il y a quelqu'un que Dieu bénit pour aider les autres. C'est Dieu qui vient, quelqu'un que Dieu bénit. Il lui donne un talent, soit il était un artiste, soit il était un footballeur, soit c'est juste, mais il y a quelqu'un que Dieu bénit pour aider les autres. C'est leur mission. Ce sont des David, ce sont des essais qui sont dans la famille. Oh, pourquoi ces frères et sœurs ne vont pas se chercher? Il y a des gens qui, lorsqu'ils perdent une étoile de leur famille, la famille ne se remet plus. Comme les Arabes, dit Arafat. La famille passe tout son temps à pleurer. La famille ne se recompose plus parce que c'est eux qui étaient l'espoir. Tioté est parti. Par sa grâce, ses sœurs auraient pu rencontrer des blancs pour se marier. Tous les rêves, tous les projets qu'il avait mis en place, tout est tombé dans l'eau. Et ce qui encore fait plus mal, c'est qu'on dit à cette famille, à la mort de Tioté, vraiment, parce que Tioté est décédé quand? Mettez-moi la date. Mettez-moi l'année où Tioté est décédé, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont connectés, abonnez-vous rapidement. Mettez-moi l'année où Tioté est décédé. Il est décédé en quelle année, s'il vous plaît? Tioté est décédé en quelle année? En 2017.
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ça fait 7 ans. 7 ans, ils sont dans la maison de famille. Quand ils regardent les murs, ça les fait penser à Tioté. Quand ils regardent le sol, ils disent, hey, Tioté, au moins tu es parti. Tu nous as laissé un toit. Que Dieu te bénisse. Ils sont encouragés à aller faire des prières sur la tombe de Tioté parce qu'ils se disent, Tioté est parti. Mais au moins, le bien le plus précieux qu'on peut donner à une famille, c'est une maison. Le bien le plus précieux qu'on peut donner à une famille, c'est un toit, c'est une maison. Parce qu'à bien ici, le premier démon, même qu'un pasteur ne peut pas chasser, c'est le loyer. Quand ce démon prend ta vie, il te met dehors. Mettez les cœurs partagés de live, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre une histoire digne d'un film de sorcellerie. Digne d'un film de cocaïne. Digne d'un film de maploïs. Digne d'un film d'arnaque. Et j'ai envie de monter là où il y a Anna. Clairement et simplement. Parce que le procureur doit se saisir de ce dossier. Une enquête doit être ouverte. Le juge des enfants doit ouvrir une enquête. Question. Moi, je pose une question aussi. Parce que je veux qu'on me réponde. Parce que je pose des questions, je veux avoir des réponses. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui disaient, est-ce que véritablement Tioté et la dame étaient légalement mariés? Ben, la réponse, elle est oui. Voilà, faut pas qu'on soit ici pour se mentir. Il y avait eu d'abord une marmaille selon ce que certaines personnes ont dit, mais les informations nous indiquent de façon claire, de façon nette et de façon précise que oui, effectivement, ils étaient mariés. Et je pense même que j'ai ici la photo du mariage. Voilà. Je vais montrer sauter seulement. Je ne veux pas montrer la dame. Je ferme son visage. Voilà. Donc ici, on a le maire. Voilà, on a le maire qui est là. Et voilà. Bon, donc Tioté, voilà, c'est marié. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de caché, voilà. Mais on s'en fout. Voici la photo du mariage, voilà. Elle est publique, elle est connue de tous, voilà. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Et Tioté, elle est également mariée. Donc, le côté mariage, c'est fait. Donc, la femme a des droits. Elle a eu des enfants, mais ce Tioté, elle a des droits. Mais cette affaire est digne d'un film. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, jusqu'aujourd'hui, personne ne nous explique les 2 milliards que la Chine a donné en ce qui concerne Tioté. Si je me trompe, je crois que c'est la Chine, hein? C'est la Chine, la Turquie, mais je pense que c'est la Chine qui a donné cet argent. Parce que quand Tioté est mort, il y a eu 2 milliards qu'on a donné. La première question, quelqu'un dit quoi, 5 milliards, on m'a parlé de 2 milliards, c'est la Chine, 2 milliards. Il faudrait que la femme, là, elle soit capable d'expliquer aux Ivoiriens. Oui, parce que Tioté a pas tout aux Ivoiriens. L'information est sortie. C'est une dame qui est allée s'asseoir sur un plateau télé, faire une émission. Donc, on a le droit de décortiquer et de se poser des questions. Il y a eu 2 milliards qu'on nous a annoncé dans la presse qu'on a donné pour Tioté. Ça n'a rien à voir avec l'argent qu'il avait en compte. Tioté avait au total combien de maisons? Certains parlent de 8, certains parlent de 9, avec un immeuble. Deuxième question, où est passé l'argent de Tioté? Parce que, je vous donne une information. La femme n'est pas propriétaire de tous les biens de Tioté. Enlevez ça dans votre esprit. Je vous fais écouter l'avocat. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose de très important. Écoutez bien ce que l'avocat dit. Écoutez. Elle a droit strictement à rien. Ah, c'est ils étaient sur quoi? S'ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Tapez. Et qu'il est décédé avant 2019, avant la loi de 2019 sur la succession. Elle a droit. Tioté est décédé avant 2019. Il est décédé en 2017. Que dit la loi? On va écouter ce que dit la loi. Mettez les cœurs, je vous ai dit, oh merde. Appelez tout le village qu'il vienne s'asseoir. Quand Makoso dit, je prends un dossier. Faut pas. Ne me donnez pas un dossier. Je prends pas un dossier dans Nyama Nyama. Madame Tioté, non, je me mets à genoux. Je te demande pardon. Pardon. À cause de Allah que tu pries là. Faut laisser la famille là dans la maison de leur frère. Parce que l'âme de Tioté habite là-bas. Je te demande pardon. 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 Faut faire à cause d'Allah. Maison dans laquelle eux vivent là. Faut les laisser en paix. Si tu ne peux pas soulever, tu vas déposer. Hein. À ça, je te le dis. Hein. À ça, je te le dis. Hein. On va aller pas à pas. Je vous ai dit, mettez les cœurs, partagez le live. Des biens du défunt. On répond. Et qu'il est décédé avant 2019,
Oui. La loi de 2019 sur la succession, elle a droit, c'est son raison de la communauté, elle a droit à une partie, la moitié des biens du défunt, la moitié. Ok. Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont mariés, et ils sont mariés sous le régime de la communauté. Lui, il décède. S'il est décédé avant 2019, elle a droit à 50% des biens et les 50% vont à ses enfants. Ok. Si maintenant, ils sont mariés sous le régime de la séparation. Donc, voici ce qui est le cas de cette affaire. La dame a droit à 50% si ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Parce qu'ils sont mariés avant 2019. S'il est, avant 2017. Avant 2019. Oui. Et qu'il est décédé avant 2019. Oui. Elle n'a droit à rien. Même pas un centime. Ok. Maintenant, si ils sont mariés sous le régime de la communauté, il y a quatre hypothèses. S'ils sont mariés sous le régime de la communauté, qu'il est décédé après 2019. Oui. Elle a droit à 50% des biens, plus encore un quart. Ça fait 75. Mm-hmm. En gros, elle a droit à 75% des biens. D'accord. Et les 25% sont partagés entre les enfants. Ok. Si vous avez la dernière hypothèse, tapoté. Ils se sont mariés sous le régime de la séparation des biens, mm-hmm, et qu'il est mort après 2019. Elle a droit juste à un quart des biens. Ok. 25%. Il y a quatre hypothèses. Vous avez bien compris? J'ai compris. Maintenant, la question que j'aimerais poser. Maintenant, elle ne peut pas vendre des biens. Elle ne peut pas vendre des biens d'abord sans les enfants, puisqu'il faut d'abord déterminer sa qualité de vie. C'est la partie qui m'intéresse. Elle ne peut pas vendre les biens sans l'accord des enfants. Maintenant, si les enfants sont mineurs, quelle est la procédure? Allons-y. Héritier, dans quel ordre elle est héritière? Dans quel ordre? Dans les quatre hypothèses que nous a données, elle est dans quel ordre? Donc, la loi dit qu'on doit établir un jugement d'hérédité. Est-ce que la famille de Thioté a le jugement d'hérédité? C'est un jugement que moi j'ai. Il y a un jugement d'hérédité, c'est un juge qui se prononce. Continuons. Qui établit l'ordre de succession, mm-hmm, et la part de chacun. Mm-hmm. Donc, si elle vend des biens, en dehors de ce ordre de succession, mais toute vente qu'elle fait, elle fait nulle. Ça veut dire si elle a vendu un immeuble, une maison, que l'ordre d'hérédité, le jugement d'hérédité dont on parle n'est pas dans les papiers, tous les biens qu'elle est en train de vendre là, ceux qui achètent les biens là, ils vont en prison. Continuons. Les enfants peuvent annuler la vente. Oui. Et si les enfants sont mineurs? Mais si les enfants... Alors si les enfants sont mineurs... Écoutez la partie qui est très intéressante. Au cas où les enfants sont mineurs, si c'est des enfants mineurs, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est là que j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire. Mes amis, pardonnez, partagez le direct, faites les captures, amenez partout dans le monde entier. Écoutez. Forcément, ils sont représentés par sa mère. Mais quoi qu'il en soit, et même si elles vont, elles vont garder leur part sur un compte séquestre. Yeah, maman, oh, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. C'est pas fait de compte séquestre. Des chefs ébriés à terminer le problème. Voilà, on dit, l'avocat dit, si les enfants sont mineurs, elles peuvent vendre. Elles vendent, voilà. Elles vendent, mais les 50% des enfants, elles doivent prendre cet argent et le mettre dans un compte séquestre. Elles ne doivent pas toucher la part des enfants. Or, selon certaines informations, actuellement, même Moreau, il n'y en a pas. Les 2 milliards. Est-ce que les 1 milliard des enfants a été mis dans un compte séquestre? Les assurances. Est-ce que l'argent des assurances a été mis dans un compte séquestre? Combien de maisons M. Cheikh Thioté avait? Où sont ces maisons? Est-ce que ces maisons sont vendues ou est-ce que ces maisons existent toujours? Le juge des enfants qui est au niveau du tribunal d'Abidjan doit s'exprimer. Doit ouvrir l'enquête et la famille de Thioté doit porter plainte. Parce qu'il y a dilapidation. Selon ce qu'on a comme information. Si l'information est fausse, il faut qu'on puisse ouvrir une enquête. Parce que l'enfant de Thioté fait quoi dans une famille d'accueil pendant qu'il est milliardaire? Question. L'enfant de Thioté est milliardaire. Son papa a reçu 2 milliards de la Chine. Il a droit à 1 milliard avec ses autres frères et sœurs. Où sont passés le milliard de son père? Venez nous expliquer. C'est ça le fond du problème. Tout ce qu'on raconte, non, la famille doit sauter, on s'en fout. Voilà, nous on s'en fout. L'argent de Thioté,
la part de ses enfants, ça est où? La femme peut pas dire, oh, fidèle, ça vous regarde pas, ça nous regarde. Parce que la Côte d'Ivoire a pleuré, la Côte d'Ivoire a donné sa participation. Tu a bénéficié des sommets de la République. Donc, les rêves de la République que nous sommes, on veut savoir où sont passés les 1 milliard. 1 milliard des enfants de Tchouté. Continue. La fête devient intéressante, ça me plaît. J'aime. Oh non, gros, si vous n'amenez pas les cadeaux, vous ne mettez pas les cœurs. Ah, la fête devient intéressante. Où les milliards? T'as dit, il y a des chiffres quand tu entends, ça te fait parler en langue. Ribassa, Kabou, Kababayandes. Goumalanda, la Koundebes. Je déclare que Dieu va rendre aux milliardaires tous ceux qui sont tentés de mettre les cœurs et de tapoter à cet instant précis. Que la grâce des milliards vous localise. Tchoté n'a jamais voulu que sa famille souffre. Les informations révèlent que Cheikh Tchoté s'est battu. Il a construit. Il a construit. Il disait à certains de ses amis, vous voyez, moi, si je pars aujourd'hui, mais j'arrête de jouer au football, je ne vais pas souffrir. Parce qu'il a mis en place une série de biens, des immeubles, des maisons et autres. C'est choquant. Blessant. Un million d'appareils que la plupart de tous les biens de Tchoté ont été vendus. Est-ce vrai ou est-ce faux? Nous voulons savoir. C'est tout. Où sont les biens de Tchoté? Où est l'immeuble de Tchoté? On dit à 20 appartements. Où ça est? Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que ça a été vendu à minuit. La transaction a eu lieu à minuit. Pourquoi on veut maintenant vendre le dernier bien? Parce que c'est pendant 7 ans, si c'est jusqu'à la maison de famille maintenant qu'on veut venir vendre, ou bien qu'on l'a vendu, ça veut dire qu'ils ont tout vendu. Parce que c'est le dernier cas là. C'est le dernier chaos. C'est le tout dernier chaos. C'est-à-dire qu'on a vendu jusqu'à lui, il reste encore. Il y a une maison là-bas à 150 millions. On est qu'à vendre ça. Pourquoi je le dis? Parce que je vais vous montrer une image. Moi, je pose des questions, je ne confirme rien. Je pose des questions pour savoir. Vous voyez cette mosquée qui est là? Alors, c'est Tchoté qui a fait cette mosquée. Cette mosquée que vous voyez à la Sojefia. À Bobo Sojefia. C'est ce qu'on m'a dit. Sojefia, mon dieu Sojefia. Je vais vérifier si c'est à Bobo ou. Confirmez-moi. Vous qui êtes dans le live là, c'est à Bobo Sojefia ou bien c'est quel quartier? Tchoté a acheté un terrain, il a conçu une mosquée. On a peur aujourd'hui que même la mosquée devait être vendue. Hein? Wallahi Bilal. Tcha! Même mosquée de Dieu, on devait vendre ça. À Bobo Sojefia. Donc c'est la mosquée qui est devant la maison de mon papa là. Moi je connais la mosquée là. La mosquée dont je parle, on devait vendre ça. C'est ce coup, l'ami de Tchoté là qui a dit que ça là, si tu as vendu ça, je ne vais plus jamais t'adresser la parole. Et permettez-moi de le dire, c'est... J'aimerais remercier ici Dame Aïcha et les donateurs qui ont pu finir cette mosquée. Même mosquée, on devait vendre ça. Même mosquée là, on devait vendre ça. D'accord, on a fait de tout vendre, même la maison de Dieu. Là, on devait faire Allah, Wabba, on devait tuer ça. On va tuer ça. Oui, tout ce que Tchoté a voulu laisser comme trace, comme histoire, on veut faire disparaître le nom de Tchoté. On veut amener Tchoté dans l'abandon. On veut prendre le chèque à ce que Tchoté n'ait jamais existé. Le présenter comme un footballeur inconscient qui n'a pas construit pour sa famille, qui n'a pas construit une maison de Dieu, qui n'a pas préparé l'avenir de ses enfants. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On veut comprendre. Partagez le direct. Mettez le cœur. On veut comprendre. On veut comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on refuse de nous expliquer toutes ces rumeurs? Parce que pour l'instant, on met sur la compte, sur le compte des rumeurs. Les primes de l'assurance, c'est là combien? Et c'est là. Parce qu'on est dans un pays où les gens sont des lâches. Chacun assis. Quand il voit gros cuit, il a peur. Quand il voit pétou, il devient bête. Moi, je ne suis pas normal. Hein? Hier, j'étais dans un endroit, je crois, à la CNPS au plateau. Et arrivé là-bas, je ne savais plus où garer. Il y avait plus de vigiles. Ils m'ont dit non, il faut rentrer dans la cour, tu vas aller garer. À la fin, je sors. Des agents viennent me dire non, général, parce que tu as garé à la place du DG. Tu nous as créé des problèmes. Oui, général, là où tu vois, là où tu nous as mis dans les problèmes, parce que depuis là où il avait dit attendez. Donc vous voulez me dire que parce que les éléments m'ont dit de venir garer à l'intérieur, le directeur de la synthèse va vous créer des problèmes. Ok, il n'y a pas de problème. Dites au directeur, soit je le rencontre, soit je vais le faire appeler. Parce qu'à Abidjan, c'est fait qui coupe fait. Moi, il vient garer dans la CMPS, moi, Camille Makosso, qui donne contrat à la CMPS pour les pasteurs. Moi, on me traite comme un vanipier. Mais si c'est vous les agents qui avez un problème, j'arrive à votre supérieur pour lui demander pardon. Parce que vous m'avez fait garer ici. C'est tout. Finalement, ils m'ont laissé partir. Dans ce pays-là, on a l'impression qu'il y a des gens, quand ils vont gros cuit, ou bien tout là, ils deviennent comme des enfants. On va les arrêter.
On va les mettre en prison. Ils ne doivent pas parler comme ça. Je jure. Mettez-le en prison. Mettez-le en prison. Mettez-le en prison. On a non mal à faire. On nous parle ici de dilapidation des biens d'un jeune footballeur qui s'est battu pour le pays. Où vous devez vous lever pour aller vous battre, pour voir clair dans l'affaire. Vous voulez intimider les gens. Vous maudiez. Où sont passées les primes? Pourquoi le fils de Tchoté aujourd'hui est mis dans une famille d'accueil? C'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque. On nous parle d'une fille qui ne peut plus aller en Angleterre tellement qu'elle a pris des crédits. Mais comment vous expliquez tout ça? On nous parle de plusieurs arrestations, plusieurs interpellations à la PJ pour des dettes. Mais comment vous expliquez? Si Tchoté t'a mis dans les problèmes, n'a pas été capable de garantir ton avenir, viens nous dire, on va cotiser. On fait liquide. Mais la famille, ça sera le terminus. Si vous les mettez dehors, Tchoté ne va vous chercher. Je vous jure. Il va venir vous chercher. Mais vous n'avez pas de cœur. Pourquoi? Et on nous parle d'une maison familiale qui a été mise sous hypothèque. C'est-à-dire, quand on veut faire la marmaille, on utilise tous les termes. Mais on va aller plus loin. On va écouter toujours l'avocat. Écoutons l'avocat. Je pense que l'avocat répondait à beaucoup de questions. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que concernant les biens des enfants, toutes les richesses, tout l'argent des enfants doivent être mis sur un compte séquestre. Le compte séquestre, là, que la famille de la femme vient nous dire, ça se trouve où? Il y a combien dedans? Les enfants de Tchoté aujourd'hui, ils ont quel âge? Nous, on veut comprendre. Oui, on veut comprendre. C'est vous qui avez amené ça, non? On veut maintenant comprendre. Ok. Et ça, c'est sous la surveillance du juge de tutelle. Donc, le compte séquestre, on nous dit, c'est sous la surveillance du juge de tutelle. Mais monsieur le juge de tutelle, on entend de vendre les maisons, on vend les immeubles la nuit, on dit que là, 2 milliards, mais le juge de tutelle, il est où? Quel est son nom? Il habite où? Nous, on veut le connaître. Non, maître Dogo, tu es le meilleur avocat de la Côte d'Ivoire. Continuons. Ça, c'est très intéressant, ça. Voilà, très intéressant. Je suis là, mais ce que j'aimerais savoir, dans ce cas de figure, les parents vivent dans un bien qui appartenait à M. Tchoté. Oui. Là, il a tous les droits. Ils décident de les expulser pour, soi-disant, selon elle, le bien a été mis en garant. Elle a raison. Oui, elle a raison. Est-ce qu'il y a une procédure d'expulsion dans ce genre de situation? Bien sûr, bien sûr. Une fois que le jugement d'hérédité est établi, oui, et qu'il y a ce qu'on appelle une décision de liquidation partage, oui, elle va donc demander à un huissier de donner congé à ses parents là, de quitter le bien. Puisque le bien, ils n'ont pas à y être. Le congé peut prendre combien de temps, selon vous? Généralement, c'est 3 mois. Logiquement, c'est 3 mois. C'est ça. Et quand les personnes... En principe, elle n'est même pas obligée d'aller de donner parce que, bon, en fait, elle peut... Écoutez, la partie, c'est intéressant. Elle n'est même pas obligée de leur donner un congé, puis venir dire, vous sortez. Mais là, écoutez, comment on va les faire sortir? Tellement, elle peut donner un congé, puis aller, je vous dis de partir. Mais comme ils ne sont ni locataires... Parce que c'est encore ça, c'est quand les locataires, mais ils ne sont même pas locataires, ils sont des occupants sans droit ni titre du bien, puisque le fils leur les a mis dedans, mais à la vérité, ce sont les biens de la femme et des enfants. Donc eux, ils n'ont pas à y être. Donc à tout moment, ils peuvent leur demander de partir. Mais là, humainement, ils peuvent leur donner un délai pour que tranquillement, ils quittent le bien. S'ils ne veulent pas le faire, alors ils font une mise en demeure d'avoir à quitter le bien. S'ils ne veulent pas quitter, il faut une mise en demeure. Écoutez la partie. Ils saisissent le juge des référés qui va ordonner leur expulsion. Donc c'est un juge qui doit ordonner leur expulsion. Donc s'ils ne veulent pas partir, oui, gentiment. S'ils ne veulent pas partir gentiment, on doit retourner, on voit un juge qui doit ordonner maintenant leur expulsion. Un juge de référé, oui. Un juge de référé. Lorsque le juge de référé donne l'ordre, l'huissier saisit la police ou bien il peut venir avec des badauds. Non. Lorsque le juge des référés donne l'ordre de les faire sortir parce qu'ils sont sans droit ni titre, on va leur signifier la décision du juge des référés. L'huissier va aller leur, ce qu'on appelle commissaire de justice. Oui. Il va leur notifier la décision pour dire on vous, le juge a demandé que vous sortez de la maison. S'il ne respecte pas ça, le commissaire de justice va demander un concours de la force publique. C'est-à-dire, il va demander à la police. Il va demander au procureur général de lui donner l'autorisation d'avoir recours à la force. Donc, s'il refuse de partir, il y a encore une troisième procédure. On va voir le procureur pour lui demander un document qui demande à faire recours à la force. Écoutez la partie. La force publique, c'est-à-dire la police, pour venir l'expulser. Ce n'est pas les badauds, hein. C'est pas les badauds qui l'expulsent. C'est la police. La police qui vient les expulser en compagnie, qui vient prêter même force au commissaire de justice. Parce que lorsqu'on a vu les images sur Internet,
selon ce qu'on a vu, le commissaire de justice, selon eux, selon ce qui s'est présenté, était venu avec des jeunes du quartier. Des jeunes. Non, il n'a pas le droit. Non, c'est illégal. Non, c'est illégal. Il doit se faire prêter main forte par la police, pas par des jeunes bateaux. D'accord. Côte d'Ivoire. Chacun fait marmaille de son côté. On parle des jeunes, on vient de mettre des bagailles dans les corrects, on commence à tirer des bagailles comme ça dans un pays de droit. Voici ce que dit la loi. Donc, monsieur Luchier, vous qui êtes parti à la maison là-bas, moi j'ai une question à vous poser. Vous êtes un huissier de justice ou bien vous êtes Hulk du Nord? Moi je veux savoir, c'est un huissier ou bien c'est Hulk du Nord? Ou bien c'est un marmailleur ou bien c'est un féminin? Je ne sais pas c'est qui. Mais on est dans un pays de droit, quand même. Pour faire sortir des gens dans une maison, il y a des procédures. Pour nous qui sommes dans l'immobilier, on peut parler. Et voilà ce qui se passe. On vient menace des gens. On commence à faire sortir les bagages. On les interdit d'entrer dans la maison. Et on est assis là. Et on parle de menace. On va vous faire arrêter. Mais on est dans quoi, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on est dans quoi? Soyons sérieux. Excellence, monsieur le président de la République, son excellence, Alassane Ouattara. Papado, ton fils Tchoté, ils sont en train de vendre tous ses biens. Ses enfants vivent dans des maisons d'accueil. Tchoté, viens chercher au moins deux. Viens prendre deux. Parce que beaucoup de personnes, les langues parlent. Il paraît que ton frère sans ton repère même, c'est lui qui mange les mouvements maintenant. Viens prendre un. Tchoté, viens prendre un. Dans les 24 heures, faut prendre au moins un. Soyons sérieux. Vous voyez, c'est toutes ces choses qui énervent. J'ai vu des gens insulter la famille de Tchoté qui sont en train de parler mal. Pause information. J'aimerais d'abord m'excuser devant ceux qui m'écoutent parce que je ne me suis pas présenté poliment. Je suis la voix des sans voix. Je ne peux pas accepter ça. Jamais. Dans la ville, Martin Luther King est mort pour quelque chose. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Jamais. Une famille est sacrée. Le papa de Tchoté est mort. La maman de Tchoté est mort. C'est une famille dont le père est mort. Il était gendarme. La mère travaillait dans l'administration, elle est morte. Les frères, ils avaient qui? Tchoté, il est mort. Mais on peut avoir quand même pitié d'une telle famille qui sont des orphelins. Ils n'ont ni père, ils n'ont ni mère. On peut avoir pitié quand même. On peut avoir pitié quand même. On veut pitié. Des orphelins, ils sont d'autres sont malades, on les jette, on les maltraite comme du n'importe quoi. Je me pose la question de savoir, on est dans quel monde aujourd'hui. Je me pose des questions, je veux savoir. Les valeurs religieuses, les valeurs humaines n'ont plus d'importance. Quelqu'un a laissé près de 10 maisons avec immeuble de 20 appartements. 20 appartements. 2 milliards. Ils ont tout laissé. La famille n'est jamais allée faire scandale. Elle nous a rien donné. Tu es mort. On a faim. Jamais ils sont allés mendier. Pour dire on a faim. Alaka Diamant, donnez-nous de l'argent. Il dit tout ce que nous on veut là. On veut dormir. On veut juste mettre dormir. Et puis on se levant, on fait ça. Tioté, merci, tu nous as laissé une maison. Même sans corps, on veut les prendre. Sans corps, se péter, puis on veut les arracher. Et puis les mettre dans les rues pour qu'elles aillent se prostituer. Peut-être que vous allez se jeter sur le pont d'euro, la soeur de Tioté s'est suicidée. Et puis ça va vous donner quoi? Le bien matériel qui passe toutes les vanités, vanité des vanités. Aujourd'hui, je me pose des questions de savoir. Où sont passées nos valeurs? Nos valeurs, on va à la mosquée, à la haka, wa, mais notre cœur mauvais, on va à l'église, alléluia, amen, mais notre cœur noir. Je vois des gens qui parlent. Donc, ne pensez pas aux enfants. Les enfants ont reçu 2 milliards. 2 milliards. L'argent est où? Voici les questions qu'on veut savoir. On n'est pas sur quelqu'un, on n'est pas en train d'insulter la femme. On dit la raison. Mais maman, l'argent des enfants, c'est où? Parce qu'enfin, ça va te battre, ça va te soigner. L'enfant, c'est pour toi et c'est pour la famille paternelle. Donc il y a la famille de Tchoté qui est aussi parent des enfants. Parce que le nom qu'il porte là, ça ne vient pas de la famille maternelle, ça vient de la famille du père. On les appelle des Tchoté. Donc quand ils sortent là, on les appelle des Tchoté. Donc quand ils parlent là, on les appelle des Tchoté. Donc les Tchoté viennent d'où? Ils ont une base, ils ont un village. Quand les enfants vont grandir, ils doivent retourner dans les villages, saluer les chefs traditionnels. C'est là où on va leur poser la question. Quand votre papa est mort, il avait 11 maisons, il avait un immeuble, il vous a donné 2 milliards, vous avez fait quoi de cet argent? Quelle sera la réponse des enfants? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est là que, parce que, n'oubliez pas, justice de Dieu, il y en a. Justice de Dieu, il y en a. Il y a un homme qui a parlé, et sa parole m'a fait tellement mal. J'ai remonté la vidéo.
Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo là, ça. Ah, ça m'a touché. Écoutez bien. J'ai une question à poser à la femme Michel Tuté. Madame, je ne vous connais pas. Vous avez aimé Michel Tuté. Vous êtes sûr de vous que vous avez aimé Michel Tuté. Vous avez aimé l'argent des chefs de Tuté ou bien vous avez aimé Michel Tuté. Vous avez aimé la situation financière des chefs de Tuté ou bien vous avez aimé Michel Tuté. Attention, madame. Parce que si vous avez aimé Michel Tuté, sachant qu'il est décédé, sachant que sa mère est décédée, sachant que son père est décédé, il n'y a que ses soeurs. Et que chaque homme africain épouse toujours une femme. Cette femme-là qui pourra prendre soin de sa famille quand il ne serait pas là. Ah, madame, chef Tuité, c'est pas une maison, c'est pas deux maisons, c'est pas trois maisons. Chef Tuité a beaucoup de maisons. Hey. Il a même +4, madame, que vous gérez. Hey. Depuis le décès de chef Tuité, aucun membre de la famille de chef Tuité s'est planté devant vous pour vous demander de rendre compte sur les biens de chef Tuité. Jamais. Ils vous ont jamais dit un mot. Jamais. La seule maison. Hey. Chef Tuité a mis sa famille. Hey. Son familial. Hey. C'est ça. Vous allez partir, récupérer, enlever sa famille dedans. Ah, maman, tu as fait fort. Ah. Depuis sa tombe, il est en train de se retourner 7 fois. Hey. Et c'est là aujourd'hui qu'il se rend compte qu'il s'est trompé des personnes. Hey. Dieu est là-haut. Oui. Vous, les gars. Hey. Nous savons que si ça va en justice, oui. La famille va perdre. Parce que chaque traité n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Cette maison a leur nom. Mais je vous jure, il n'y a que justice. Hey. La justice des humains et la justice divine. Wallah, Bilal. Et vous, les amis, il a... Hey. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé fort. Il n'a pas de fort. Ah, j'aime les hommes courageux. J'aime les hommes courageux qui disent ce qu'il y a lieu de dire. Mais vous ne mettez pas le cœur. Vous les footballeurs maudits, quand vous voyez concret, vous l'appelez ton coin doué. Il y a le con maudit. Si ta pile est rentrée dedans, tu vas lire l'heure. Quand je vois des gens qui me disent, oh, ma consentante, tu te maries quand? Tout ce que je vois là. Quelqu'un arrive dans les maisons de Kimi, de Meti, de Asher, de Paris. Yeah. Ivoirien, le jour je ne suis pas là, que la Camerounaise, parce que j'ai dit il y a bientôt me marier, peut-être c'est ça une femme camerounaise, veut s'amuser avec le bien de mes enfants. Je vous en prie, attachez-la quelque part. Botez-la, chicotez-la comme vous voulez, mais Dieu merci, tel que je connais mon caractère, ces gens disent soit mon seigneur, comment je dois partager le bien de mes enfants. Ça, là, ça vient donner conseil à tout le monde. Vos gros yeux, vous aimez con. Son coin est doux, son coin est doux, son coin est doux, son coin est doux. Il y a con doux et puis il y a con maudit. Je ne dis pas que le con de la femme de Tchoté est maudit, non. Mais j'estime que cette femme est en train d'être manipulée. Elle est en train d'être mal conseillée par des petites coquilles sorcières. Et je vais l'interpeller ce soir. Maman, tu es une bonne femme parce que Tchoté t'a aimé. Donc tu es notre belle-sœur. Tchoté a vu toutes les femmes. Dans mes enquêtes, j'ai appris que Tchoté est avec une femme qui est partie à l'église. Et vous, les soeurs de Tchoté, vous êtes allés vider sa maison. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux que cette femme avait été accusée. Je vous rappelle dans le temps qu'elle avait tombé Tchoté. Je me rappelle de cette affaire. Donc vous voyez, souvent il y a des actes qu'on pose qui nous rattrapent toujours. Mais ça, ce n'est pas là le plus important. Parce que moi, je n'ai pas resté sur ça. Je dis non, vous êtes non, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est qu'on peut commettre des erreurs. Mais Tchoté a fait un choix. Et on doit respecter le choix de Tchoté. Il dit, c'est celle-là qui est ma femme. On respecte. Maintenant, on vient vers toi et on te pose une question. Quand tu étais avec Tchoté, est-ce que cette famille-là t'a maltraité? Est-ce que cette famille t'a manqué de respect? Est-ce que cette famille est allée te salir? Je ne crois pas. Dans la vie, il faut avoir pitié. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Ma femme était vivante. Et puis, j'étais en France. J'avais un appartement avec CGK où je mettais beaucoup d'argent. Je crois qu'il y avait 9 millions dans la maison. Et c'est son neveu, Yann, qui était mon trésorier, celui qui m'a fait des retraits et autres. Et quand j'arrive, avant même que je ne vienne, Yann m'appelle, il dit, ah, le vieux. J'ai dit oui. Il dit, l'argent a disparu. Il dit, mais comment l'argent va disparaître? C'est toi seul qui a la clé de ma maison. Elle dit, quand maman nous a dit, on est venu nettoyer ta maison, on a fait appel à l'un de tes petits, et puis sa nièce Priscilla, ma soeur et moi, on est venu pour faire le nettoyage. Donc si l'argent est perdu, c'est forcément un entre nous trois. J'arrive, je prends tout le monde, je les fais enfermer au commissariat. Parce que mon ordre, c'est de faire sortir la vérité pour savoir où mon argent est. Même si il y a au moins 5 millions, 6 millions, c'est pas grave. Ma femme m'a dit ce jour-là, si mes neveux restent là-bas, moi je reste avec eux. Je lui ai dit, ils vont rester là-bas. Le lendemain, ma fille Métis a refusé d'aller à l'école. Parce que ce sont ses oncles, plutôt ses cousins, que j'avais mis en prison. Oui, parce que je les ai fait attacher pour voir la vérité. Mais il ne peut pas venir côté et dire je laisse. Il faut que je les secoue un peu. De la manière dont j'ai giflé Métis au commissariat.
Jusqu'à la femme, le lieutenant sortit pour dire, ah, ma cousine, on t'a plus enfant comme ça. Comment toi, tu n'as pas allé au coup? Parce que moi, on m'a volé 9 millions. On m'a volé 9 millions. Et vous êtes d'accord avec ceux qui m'ont volé. C'est là qu'il me chasse. Et puis, j'ai compris que peu importe l'argent ou le matériel, la famille est plus importante que tout. Je suis allé voir le commissaire. Il dit, ah, monsieur le commissaire, vraiment, je veux qu'on libère les gars. Il dit, Makoso, tu as appelé le procureur. Si tu veux qu'on les libère, il faut rappeler encore le procureur. Moi, je ne peux pas. Ça, il faut régler, c'est lui. Il faut voir comment il est supplié. Je passe à gauche, je passe à droite. Pour faire libérer, parce que c'est la famille. Ton frère vole même 100 millions. Tu le mets en prison et puis on vient s'asseoir et dire, hé, c'est la famille, il faut laisser. C'est quelle affaire qu'on ne laisse pas? C'est quelle affaire qu'on ne peut pas s'asseoir et puis pardonner? C'est quelle affaire qu'on ne peut pas censer? Jusqu'à regarder combien de fois, même les marques sont en train de parler de cette affaire. Ça ne vous fait pas honte, madame Sauté. Ça ne vous fait pas honte. Mais moi, maintenant, j'aurais honte. Que mon nom soit sur les panels partout et autres, mais j'aurais honte. Vous dites, mais c'est pas moi ça. J'ai vu une femme à la télévision, une femme vêtue. Mais on me parle de mosquées qui doivent être vendues, on me parle d'une immeuble, soi-disant qui a été vendu pendant la nuit. On nous parle des arrestations, on nous parle des biens dilapidés. On nous dit qu'à tout moment, vous n'avez rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, madame Tchoté? Venez nous expliquer. Montez ici, venez de ma course, je veux parler. On est fatigué. Actuellement là, pays de l'existence de nous tuer. Et quand arrive la réalité, on est fatigué, faut pas venir nous mélanger. Venez nous expliquer, l'argent de Tchoté est passé où? C'est tout ce qu'on demande. Nous n'est pas vous parler fort. C'est tout ce qu'on demande. Viens simplement nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut comprendre. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Laissez-moi continuer. Vous savez, l'acte qui a été posé dans la maison familiale sur le plan spirituel, c'est une malédiction. Je pense qu'il y a des imams et il y a des prêtres qui sont là. Moi, je ne suis pas ici pour dénigrer quelqu'un, pour faire qu'on accuse, qu'on lapide quelqu'un. Je pense que nous devons appeler à l'apaisement pour la mémoire de M. Tchoté parce que l'âme de Tchoté, c'est dans la famille. Ses photos sont là-bas. Ses souvenirs sont là-bas. Il s'est battu pour ses frères et sœurs. Venir faire sortir ses frères et sœurs comme des malpropres, ça ne peut jamais être une bénédiction, ni pour la femme, ni pour les enfants. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils sortiront avec le mauvais œil. C'est pour cela qu'il faut que les imams puissent régler cette affaire. Mais dehors sa famille, dans une maison qu'il a construite spécialement pour eux. Parce que les preuves sont évidentes. On voit les gens qui ont été faits. On sent que c'est une cour familiale. Donc Tchoté avait la volonté de sécuriser sa famille. Mais pourquoi maintenant vous déloger cette famille? Soit disant que Tchoté aurait mis ça en garant, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est un mensonge. On va venir dire que Tchoté a mis la maison de sa famille en garant. Immeuble, il n'a pas mis ça en garant. Les autres villes, il n'a pas mis ça en garant. Il n'a pas mis gage dessus. Il n'a pas mis hypothèque. C'est la maison familiale qui a mis hypothèque. Nous qui connaissons Tchoté, un bon petit djoula. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les hommes les plus courageux, les plus intelligents à préparer l'avenir, c'est les petits djoula. Les autres sont dans le tout porclés, sont sur l'okento. Soyez maudits. Allons plus loin. Parce que, madame, messieurs, on nous informe que Tchoté avait une maison en Angleterre. En Angleterre. Les papatos disent que la maison a été vendue. Tchoté avait une maison en Belgique. On nous dit que la maison a été vendue. Vrai ou faux, on veut comprendre. On veut comprendre. Où sont les 8 maisons de Tchoté? L'immeuble, on dit, hey, Kata, nous, on veut savoir qui est le propriétaire aujourd'hui de cet immeuble. On veut savoir. Parce que vous avez pu le seul d'ouvrir la boîte de Pandore. Tous les papiers vont sortir. Tous les dossiers vont sortir. Je pose la question. La maison de l'Angleterre, on dit maison en Angleterre. Et puis l'enfant de Tchoté vit dans une maison de femme d'accueil. Son papa a maison en Angleterre. Son papa a maison en Belgique. Et puis lui vit dans maison d'accueil. Vous les footballeurs, je vais vous dire une chose. 80% des femmes de footballeurs sont des femmes maudites. 80% de certaines femmes de footballeurs sont des femmes maudites. Parce qu'elles n'aiment pas le footballeur. Elles ne l'aiment pas. La majorité des femmes que les footballeurs prennent lorsqu'ils sont en pleine carrière, lorsqu'ils sont dans l'effort de leur carrière, la plupart des femmes, elles les ont rencontrées dans des bars. La vie de footballeur, c'est quoi? C'est les bars. C'est les joueuses de busy. C'est les escort girls. La plupart des femmes, ils les rencontrent où? C'est pas à l'église, c'est dans les bars, c'est dans les boîtes de nuit, c'est dans les galas. Et la plupart des femmes qui fréquentent ces gens sont des putes, des porcs, des sorcières, des bordels. Il faut qu'on dise les choses. Elles ont quelle moralité? De la bordellerie. Gérer sa femme. J'ai sûr qu'on essaie rien. Elles ne sont pas allées à l'école. Tu leur demandes le niveau d'études, c'est zéro. Pourquoi c'est le même matin à combien qu'en fait des cas, il faut qu'il ait plus de personnes qui a venu les gérer les choses. Je ne dis pas que son ex-femme était ceci. Non. Mais à un moment donné,
Il faut savoir choisir sa femme. Bagou a dit, il faut savoir choisir ta femme. Il faut savoir choisir sa femme. Parce que la femme que tu mets à côté de toi, c'est la seule qui peut te tuer, qui peut te faire avancer. Moi, je dis pourquoi je pleure. Je pleure parce qu'il n'y a aucune femme qui... Non. C'est quand même ce moment quand il a vraiment, elle doit être une femme exceptionnelle. Parce que ma femme était exceptionnelle. Mais je sais qu'il existe des femmes exceptionnelles. Je n'ai pas craché sur toutes les femmes. Mais faisons attention. Je vais donner mon numéro WhatsApp avant de continuer. Je vais donner mon numéro WhatsApp. Comme ça, Eto fils. Eto est le meilleur. Eto a eu sa Georgette. On vient dire à Georgette. Oh, telle fille est sortie de ton mari. Oh, telle fille est sortie de ton mari. Maman Eto a concédé toutes les villas de papa Eto. Les villas au niveau du cœur. Les villas en Italie, elles conservent, elles veillent, elles gèrent, elles veillent, elles gèrent, elles veillent, elles gèrent. Que Dieu nous donne à chacun une Georgette Eto. Permettez-moi de rendre hommage à cette femme. La femme la plus merveilleuse parmi les footballeurs qui existent. Hein? Il y a maman Yaya Touré. Mm-hmm. La femme de Yaya Touré, c'est femme, hein? C'est femme, hein? Vous voyez, Yaya Touré dans les conneries. On... Non. Mais quand on parle d'un modèle, maman, écrivez-vous tous que Dieu bénisse maman Georgette Eto. Écrivez que Dieu bénisse maman Georgette Eto. Écrivez-vous tous que Dieu bénisse maman Georgette Eto. Voilà, ce sont des femmes. Quand tu parles, tu es béni. Oui, Jenny Touré, la femme de Yaya Touré, c'est femme. C'est femme, hein? Yaya, Naya. Et quoi dit? Côté Morin, il est mort, le bébé, il y a une femme que Dieu t'a donné là. C'est femme, hein? C'est des femmes qui, tous les matins, tu te lèves et puis tu prends au moins 15 millions et puis tu fais offrande sur son corps. T'as dit, tu travailles quand tu verses l'argent sur elle. Maman, que Dieu te bénisse parce qu'elle fait des prières. C'est des femmes qui jeûnent, c'est des femmes qui prient pour leur mari. Mais tu vas aller prendre une poclée, Nayo. Tout ce qui l'intéresse, payer les Louis Vuitton, les Chanel, femme de footballeur, tout ce qu'elle porte, c'est toujours les marques. Louis Vuitton, Chanel, c'est une poclée. C'est une poclée. C'est une poclée, Nayo. La poclée, Nayo. Matin, c'est une poclée. Payez mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Tous ceux qui vont m'écrire, il y a combien ici? Tous ceux qui vont m'écrire, pour dire, général, je veux mon cadeau. Je vais vous offrir mon livre. Je vous en prie. Ce livre-là, votre problème, c'est que vous êtes toujours dans la distraction. Ce livre-là, je vais le donner gratuitement à seulement 5000 personnes qui vont m'écrire avant que je vous le révèle le dernier papo que j'ai. Je donne mon numéro WhatsApp. Les 5000 personnes qui vont m'écrire, vous dites, général, je veux mon cadeau. Je vous offre gratuitement mon livre. Ceux qui sont au niveau de la France, je vais vous offrir un activateur. Je donne mon numéro. C'est le 00337. Prenez le numéro. Rapidement, tapotez, montons à 2 millions de tapotages. Tout à l'heure, je vais prendre des gens qui vont monter pour donner leur opinion, mais dans le respect. Je vais prendre des gens qui vont donner leur opinion, mais dans le respect. 00337 44 17 67 09 00337 44 17 67 09. Tous ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, les 5000 personnes qui vont m'écrire, général, je veux mon cadeau. Je redonne le WhatsApp la dernière fois. Tous ceux qui sont ceux qui ont déjà reçu le livre du général, veuillez noter. N'écrivez pas le numéro, s'il vous plaît. TikTok peut nous créer des problèmes. C'est le 00337 44 17 67 09. Tant qu'on n'atteint pas les 2 millions de tapotages, je ne dévoile pas le deuxième secret. Parce que le papo qui est tombé là, je dois le dévoiler maintenant. Le papo qui est tombé là, je dois le dévoiler maintenant. Parce que quand on était en ligne, j'ai reçu un dernier papo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Atteignons les 2 millions. On est combien? On est 5 000. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Vous êtes très belle, madame. Quand on vous voit, on a l'impression que quand Dieu vous créait, il était de bonne humeur. Mais je suis en train de délivrer des femmes sorcières qui marient des footballeurs pour leur créer des problèmes. Donc tout à l'heure, je vous réponds. J'espère que vous ne faites pas partie de ces femmes-là. Non. Je l'espère bien. Parce qu'avec ta petite bouche, tu es une femme bien polie et respectueuse. Oui, il faut. C'est bien. Donc, je vous réponds tout à l'heure. Laissez-moi délivrer les petits proclés Nayo d'abord. Voilà. Mettez les cœurs, partagez le live. Je répète, le téléphone est dans ma main. Tapotons jusqu'à 2 millions. Les 5000 personnes qui vont m'écrire, dit général, je veux mon cadeau. Et j'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais prier pour tous ceux qui sont connectés. Je ne sais pas de quelle confession religieuse vous êtes.